Avec une cinquantaine de concerts sur tous les Hauts-de-France, le festival Haute Fréquence 2022 ambiance toute la région pendant tout le mois de novembre. Particularité de ce festival, associer lors d'une même soirée une tête d'affiche reconnue et des chanteurs locaux. Ces mêmes artistes locaux ont l'occasion également de faire quelques concerts solo, ce sont les off du festival Haute Fréquence, et ce soir, c'est Chantal Laxenaire que l'on découvre pour un nouveau show à la salle des fêtes de Ménil-Saint-Laurent. Un spectacle qui était au départ un rêve d'enfant. Je ne pensais jamais que j'aborderais ce genre de répertoire maintenant, mais c'est un petit clin d'œil à ce que j'écoutais quand j'étais enfant, que j'aimais à l'époque. C'est une autre vision de cette époque de variété. Donc il y a des chansons des années 60, un petit peu des années 70. Que sont devenues mes chansons et dans quel pays ont chanté ces amis qui me reviennent aujourd'hui ? Tous les chalalala, tous les wow wow sont là. Tous les singling se déchaînent à nouveau pour moi. C'est donner voilà, un autre angle. Et puis, il y a vraiment. Je me suis surprise à trouver quelque chose de très bonne humeur, de drôle. Essayer de trouver des choses aussi, des choses qu'on n'attend pas sur ce répertoire-là, forcément, enfin, ou qu'on n'a pas l'habitude d'écouter. Une mise en scène atypique, des reprises de standards des années yéyé, mais à la sauce Chantal Laxenaire. Ce qui est sûr, c'est que dans la salle, souvenir rime avec sourire. C'est la première fois que je fais de la chanson de variété, mais autrement je fais du chant populaire, du chant polyphonique italien, je fais du blues, j'ai fait un album Prison's Blues il y a quelques années, je chante aussi dans le cadre de spectacles de théâtre avec la compagnie L'Échappée, où je crée la musique, enfin j'ai un répertoire assez éclaté on va dire. Chantal Laxenaire, une artiste complète et comblée, puisque grâce au festival Haute Fréquence, elle a fait la première partie de Dominique A à la MCL de Gauchy, et qu'aujourd'hui, elle a enfin réalisé son rêve d'enfance, être chanteuse de variété.